Aujourd'hui, je vais vous présenter la mise en forme conditionnelle avec Google Sheet. Qu'est-ce que ça mange en hiver, la mise en forme conditionnelle? Eh bien, c'est comme si vous preniez vos crayons surligneurs pour mettre en évidence les résultats de vos élèves, que ce soit en vert, en jaune et en rouge. Enfin, la même chose avec Google Sheet et la mise en forme conditionnelle. Que vos résultats soient chiffrés ou lettrés, je vais vous montrer comment faire. Donc, je dois tout d'abord sélectionner tous mes résultats, c'est-à-dire de B3 à E19. Et là, je pèse sur le bouton droit de ma souris. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous voyez, j'ai déjà une place pour le faire, mais des fois, ça c'est pas apparu. Donc là, étant donné que j'en fais depuis quelques instants, on me propose déjà. Sinon, je le fais de cette façon-ci avec mise en forme conditionnelle, mais je le fais avec mon bouton droit en allant chercher « Afficher d'autres actions sur la cellule, mise en forme conditionnelle ». Et là, ça me suggère de B3, effectivement, à E20. Donc, j'avais mis des titres, des sous-titres, donc c'est pour ça que c'est de B3 à E20. Et là, on me dit que tout ça va être en vert, mais ce n'est pas vrai que tous les résultats de mes élèves sont en vert. Donc là, je dois mettre une mise en forme et aller choisir ce que je veux ici. Et on va me proposer plein de choses. Donc, le texte n'est pas, la cellule n'est pas vide, le texte contient, donc ce n'est pas du texte ici. On est dans des résultats chiffrés, donc on va aller avec des S supérieurs, inférieur, est égal, est différent de, est compris entre. Donc, c'est ce que je vais choisir parce que je veux que tous mes résultats compris entre, et là, j'entre mon premier nombre, 100, et par exemple, 85 ou 86, voilà, et là, va être en vert foncé. On pourrait choisir un vert un peu plus foncé ici. Donc, ce serait en vert foncé. Terminé. Et là, je veux rajouter une autre mise en forme conditionnelle parce que ce n'est pas suffisant. Je veux vraiment aller mettre en couleur, en lumière, tous les résultats de tous mes élèves pour toutes ces évaluations. Donc, j'ajoute une autre et je vais encore choisir « est compris entre ». Donc, étant donné que j'étais allée jusqu'à 86, donc là, je dois commencer avec 85 jusqu'à, par exemple, 76. Donc, je pourrais aller choisir de cette façon-ci et choisir un autre sort de vert et continuer ainsi de suite. Donc, je continue, j'ajoute, est compris entre. Donc, j'étais allée, je crois, je ne me rappelle plus, jusqu'à 76, 75, je pense, je crois. Donc, si je me souviens bien, j'étais allée jusqu'à 75. Je crois que c'est 75 jusqu'à 60. Et là, je pourrais aller choisir un jaune. De cette façon-ci, et je pourrais aller chercher une autre couleur pour les résultats qui sont en bas de 60. Donc, je pourrais aller chercher tout ce qui est en bas de 60 à ce moment-là. Donc, je pourrais aller être inférieur à, donc, 60, être inférieur à 60 serait en rouge. Donc, c'est sûr que je pourrais aller choisir quelque chose, des couleurs différentes que, oups, non, ce n'était pas le texte que je voulais ici, mais bien la couleur de la cellule. Donc, de cette façon-là, je pourrais aller chercher des rouges plus foncés si j'ai des résultats, par exemple, en bas de 50. Là, je pourrais choisir encore entre. Donc, terminé. Je vois maintenant en couleur les résultats de mes élèves pour chacune des évaluations. Qu'est-ce qu'on fait maintenant si nos résultats sont en lettres? Donc, si nos résultats sont en lettres, eh bien, j'étais partie ici d'une situation d'écriture avec les critères d'évaluation pour chacun de mes élèves. Donc, que j'avais entré dans un menu déroulant en faisant copier une liste d'élèves et la rajoutant en un clic de cette façon-ci en la collant. Et j'ai ajouter chaque critère d'évaluation de la situation d'écriture pour aller cocher pour chacun de mes élèves. Et là, avec ma feuille réponse, j'étais arrivée comme ça sur ma feuille, mes résultats pour l'évaluation. Donc maintenant, si je veux mettre ça en couleur, donc bouton droit de ma souris et mise en forme conditionnelle, là, je ne vais pas aller chercher des résultats qui sont entre
parce que il n'y a pas de entre pour Google Sheet pour ce qui est des lettres, parce que ce n'est pas un résultat qui est chiffré. Donc là, je vais aller chercher mon texte contient la lettre A de cette façon-ci. Et là, je vais pouvoir le mettre un petit peu plus foncé. Donc, la lettre A de cette façon-là. Et là, je vais continuer comme ça avec B, avec C, avec D et avec E. Donc, mon texte contient B de cette façon-ci. Ensuite, je vais faire la même chose avec C. Mon texte contient C en le mettant d'une autre couleur encore une fois. Je me suis trompée encore, rendu là, c'est vraiment ma cellule que je vais mettre en jaune. Et je vais ajouter la même chose pour la lettre D et je pourrais faire la même chose pour la lettre E par la suite. Donc D, ici, que je pourrais mettre en rouge et je pourrais faire la même chose pour le E pour le mettre encore en évidence. Donc la lettre E. Et que je peux mettre en rouge un peu plus foncé si je le veux. Donc, de cette façon-là, on met en couleur le résultat de nos élèves et on peut voir où sont les forces et les difficultés de notre groupe. Si nos résultats sont maintenant en lettres, mais avec des plus et des moins, alors on peut faire la même chose, c'est-à-dire sélectionner au complet avec le bouton droit. Et là, je vais choisir la même chose que tantôt. Donc, tous mes résultats qui contiennent la lettre A, donc que ça soit A, A+, ou A-, donc ça va être reconnu ici. Donc, je peux les mettre en vert plus foncé de cette façon-là, peut-être un peu plus foncé. Et je peux continuer comme ça avec mon texte contient B, mon texte contient C, mon texte contient D ou mon texte contient E. Donc, c'est une façon de mettre en évidence les résultats de nos élèves à l'aide des mises en forme conditionnelles.